Fnac pour péter l'album de Rof, l'album de Jules. C'est pas pour les gamins, ça c'est pour les vrais bonhommes. On n'écoute pas B2OVA. C'est la même chose d'ailleurs là. Et ouais, Jules, Husni, il y a le poteau aussi, il est venu chercher pareil. C'est pour les vrais gars. C'est pour qui? C'est pas pour les gars. Monte-nous. Voilà, il a pas pris de. Il a pas pris de. Pour de la. Mais le meilleur, hein, c'est le meilleur album cette année, c'est Mac Taylor, ça reste. Mac Taylor, ok, ah, mon gars. Big up la famille. Je prends un peu deux œufs. Je crois que je vais prendre Jules aussi, mais. Aujourd'hui, ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, j'ai même pas pris de douche, tout là, tu vois. Ah ouais. Ma meuf, elle m'attend dans mon hall, ça fait 30 minutes là. Tu l'as déjà écouté ou pas celui-là? Ouais, j'ai écouté quelques sons. Et pourquoi t'as pris pas mal. Et pourquoi t'as pris celui-là au lieu des autres? Au lieu des autres, franchement, bah on va voir ce qu'il dit, t'as vu? Ouais. Franchement. Moi, en plus, ça va pas, je suis du 92, donc vas-y. Mais vas-y, en vrai de vrai, c'est parce que vas-y. Lui, c'est toujours un peu plus puissant que les autres, normalement. Ouais. Vas-y, on va voir ça. Tu vois, celui-là, là, franchement, moi, j'avais soutenu PDRG. Mais quand je vois des My Nigga, My Rebeu, en plus, je vois, gros, même lui, il sait, il est en perte de vitesse, gros. Il ouais. raconte sa vie sur Facebook, je sais pas ce qu'il fait. C'est pas comme ça, gros. Il a perdu la classe, mec là. Et je pense que beaucoup de gens ils savent que ce mec là il a perdu la classe. Et c'est pour ça, mon gars, que je vais pas t'acheter ton album. Moi, je suis un gros off, moi. Moi, c'est les deux, gros. C'est les deux. C'est le meilleur. Les deux têtes de série. Les deux têtes de série. Maintenant, on va voir. On va voir qui on va valider vraiment. On va voir c'est qui le boss des boss. C'est pour le califa. Dis-moi, tu hésites. Je vois que tu as pris Booba. Ouais, je peux pas, hein. Tu le prends ou tu hésites? Non, je le prends, c'est sûr. C'est bon? Ouais. Mais pourquoi celui-ci et pas un autre? Non, parce que j'écoute depuis toujours. Ouais. T'as écouté la fuite? Non. Parce qu'il y a une fuite, non, t'as pas écouté. Donc tu le prends les yeux fermés? Non, voilà. Ok. Je respecte le travail pour l'instant. Ouais. On essaye, hein. Ok. On essaye. Ok. Bah écoute, hein. Bonne écoute alors. Merci beaucoup. Voilà, 4 décembre, hein, en H2F, hein, dans les bacs, déjà dans la voiture, c'est parti. Non, je te Booba. Je barre dans le film, off. Ah, okay. Je barre dans le film. Mais dead. Non. C'est parti, 4 décembre, mon ami, c'est reparti. Donc, franchement, j'ai même pas besoin de te demander ce que tu veux, ce que tu cherches là. Exactement. Est-ce que tu peux mentir, c'est pas grave. Donc, tu prends Rof. Je te demande pas pourquoi. Pourquoi tu prends Rof? Pourquoi tu prends pas un autre? Oh, c'est le King, c'est le meilleur. Tu l'as validé fort là. Tu l'as validé fort. T'as écouté quelques titres ou quoi? Ah oui. T'en as pensé quoi? Comme d'habitude, il fait le taf. Ah oui, t'as même la pochette, mon gars, t'es lourd. Mais toi, t'es comment, hein? Ouais, je suis comment, hein. Donc, c'est pour ça un peu. Non, c'est pour ça aussi, mais. C'est un peu pour tout, il est bon. Ouais, bah, tu nous diras ce que t'en penses, on va poster la vidéo ce soir. C'est Rof. Acheter le Rof Game, c'est la première fois que j'achète un album. Voilà. Merci. Ok, frérot, donc t'as pris quoi? T'as pris Booba? Wanya ici. Et pourquoi t'as pris Booba? C'est vrai, c'est le boss. T'es le boss. Hein? Le Denis. Avec toutes tes sorties qu'il y a aujourd'hui, tu prends que Booba. C'est le seul que tu valides. C'est le vrai, je le valide. T'as écouté la fuite ou pas? Ouais, j'ai écouté. Et t'as validé fort? Toujours, toujours lui. Ok, bah. T'es en mort, hein. Bah, bonne continuation, écoute ça. Et merci, bienvenue. Donne-nous des nouvelles. Donc tu as une valeur sûre dans les mains, gros. La valeur sûre, frérot. Et toi, tu prends quoi, frérot? Moi, je vais prendre. Ou vous le partagez? Justement, j'aurais pu prendre l'album de Rof. Hein? Mais je préfère. Booba, je vais prendre Jul. Je vais voir. Quoi. Donc deux Booba. Et un Jul. Tout le monde vient prendre Jul, mon frère. Dans la vie de ma mère, demain, il n'y aura plus d'album. Bon, moi, je suis venu ici aujourd'hui pour acheter des albums, hein, comme vous voyez. Franchement, j'écoute de tout. Radur, il est lourd. J'aime bien Jul, donc je l'ai acheté aussi. Rof, c'est un classique pour moi, je l'aime bien, c'est un rappeur authentique, tout ça, etc. Voilà. Et Booba, je vais voir ce que son album me donne parce que je ne l'ai pas encore écouté. Donc voilà, faut soutenir et faut acheter et voilà quoi. Pour les voitures, pour ceux qui sont encore avec les anciennes voitures CD, c'est pour nous. Donc dis-moi ce que t'as pris, frérot. Non, t'as pris Jul. Okay, Oula, c'est Jul et la crime. Oula, c'est Jul et la crime. C'est vrai. Non, les albums ils sont bons. Les albums. Du Booba, il est pourri cette année. Toi, t'as pris Booba, tu l'as pris. Booba, on l'a pris, il est pourri. Il nous a déçus. On l'a vu. On respecte. Eh, Nadia, il nous a déçus, les mecs du 9-2. Il nous a déçus. Moi, tout de suite là, je le cherche. Il est là, serre-toi, frérot. Frère, il est là, le poteau. Oula, il est là. Regarde, il est là, le vrai. Ah, celui-là, pro. Les gars, s'il vous plaît, vous pouvez parler plus fort avec son son. C'est où la crime, l'album dans la crime? Ah, la crime, je sais pas, ça fait. Il est pas sorti, il sort le 11. Ah, il sort le 11? Ouais, il sort le 11. Mais Achetan, la crime aussi. Ouais, il va être lourd. Ah, il va être lourd, Achetan. Bon, vas-y, je veux savoir. Lui est Jul cette année 2015 à eux. Je veux savoir le frérot pourquoi il a pris ça. Il y a 2-3 musiques, elles sont bien. Oh là, il y a 2-3 musiques, oh là. Et il dit que de la merde. Oh là, il dit que de la merde. Non, il s'est fait plaisir. Il a voulu montrer au rappeur de maintenant que lui aussi, il sait faire de la trappe, c'est tout.
il sait faire de la trappe. Ouais, mais la nouvelle génération, elle est là. Non, 2015, il est là. Mais même lui, il a crime. Non, mais même lui, il a reconnu. Que du crime, quand il parquait du Philippe-Lin. Mais venons, on parle de France, mais renouvelé. Mais même lui, il a reconnu que lui, tu vois, ça, c'est l'avenir. Il n'y a pas de souci. Mais, ça reste le boss quand même. Ça reste le boss. Il va vendre plus que ça, c'est sûr. T'as comme on l'a dit dans le 9-2, on est parti au Foncev. Ouais. Les mecs à Foncev, on leur a dit quoi? Ouais. Chacun sa génération. Booba, sa génération, elle est descendue. Non, mais non, eux, c'est leur génération 2015. Ils touchent tout le monde. Tu vois, je veux dire quoi? On s'est compris, non? Moi, je te comprends. Moi, je suis le. Il y a toute une génération derrière lui, frère. Oui, non, mais Booba, il touche tout le monde. Que ce soit les anciens ou les nouveaux. Franchement, Booba, il a vendu combien d'albums entre nous? Je sais pas, frère. Franchement, Booba, il a vendu combien d'albums? Tu sais qu'il commence à le rattraper? Ça, on n'a pas une pige, on n'a même pas une pige, il en a sorti 6-7. Ah mais c'est pas la même catégorie. Bah oui, c'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. C'est vrai. Ah, il est fort ma gueule. Oula, il est bon, il est bon. Et là, c'est du lourd. Pour ça je l'ai pris là. Donc toi t'as pris Jul. Donc toi t'as pris Jul. Moi j'ai pris Jul, la crime, le 11, la crime aussi. Regarde, il est là. T'as écouté la fuite ou pas? Hein? Il y a eu une fuite, tu l'as écouté? Ouais, moi je l'ai écouté. Tu l'as validé? Je l'ai validé là. Ok, t'as écouté toi aussi Jul? Jul? Non, pas il y a un son qui est sorti. Ouais, les sons ils sont sortis, ils sont lourds ma gueule. Okay, ma gueule. Non Jul il est bon. Même dans les teboys ils te les mettent. Ouais. Et t'as les meufs quand même, les gros luches. Ouais. Elles écoutent plus, elles pendent plus sur Jul que Booba. Ah je sais pas trop frère. Les berettes d'aujourd'hui. Je sais pas trop frère. Je dis. Nouvelle génération. Mais tu vois bien les sons à Booba. Qui bouge pas sur les sons à Booba frère? Le truc. Mais carah, t'es Booba c'est quoi? C'est plus t'es carah, t'es tu bouges pas, t'es mode Zerfa. Ouais, raté là. Lui t'es mode de danse. En mode danse et tout. Voilà. Hey Jul t'es. Facile. On a acheté des CD pour le photo star. Tu peux montrer? La roche de Z. Ouais. Et des os, il est là. Et Jul quoi. Jul. Tu connais. Mais toi dans tout cela, tu préfères lesquels? Franchement. Les deux os et Jul hein. Les deux os et Jul. Rof, pas trop. Rof vite fait hein, franchement. Rof, sérieux? Ouais, pas mal. Ok, donc t'as pris Nekfeu, réédition. Réédition. T'avais pris le précédent ou pas? Ouais, j'avais pris le précédent, mais illégalement. Ah là, je suis obligé d'acheter. On va te flouter, toi. Hein. Non, non, même lui, c'est quoi télécharger? Ah ouais, bah, de toute façon, tout le monde sait. Hein. Ah, c'est le meilleur, lui. T'en as pensé quoi? Ah, c'est le Travis Parker. Ah ouais? Non, c'est lui, c'est pas. Il est pas d'accord avec toi. Lui, je vais avec les mots. Ouais. Avec les mots, lui. Lui, c'est la plume, lui. Il dit de la merde, ouais, voilà, c'est de la plume. Ouais. Du rap. Donc tu valides fort, tu prends pas les autres. Non. Parmi toutes les sorties qu'il y a, je suis sûr. Si je devrais en prendre un, c'est celui-là. Compton, Dr. Dre. Ah ouais, mais là c'est rap US, ouais, ouais. Mais sinon, Maître Gims. Maître Gims. Ah ouais, toi c'est un autre style de rap. Le Padre. Le Padre. Il y a SCH, pas mal aussi. Merci, Rof. Merci pour tout ce que tu nous apportes dans nos oreilles. Il apporte de la merde, les Nekfeu, il apporte de la merde. Ok, frère, bah écoute-le et tu nous en diras des nouvelles sur le site, quoi. Ouais. Ah moi la réédition de l'album de Nekfeu, je trouve que c'est une carotte hein. Mais pourquoi c'est une carotte? Je trouve ça dommage parce que si tu veux tu vas repayer 21 euros à 15 balles là. Il a rajouté des titres. T'as 8 morceaux en plus, t'as 8 morceaux en plus. Ouais. Je trouve que c'est surtout des featuring. Ce qui est dommage et après ouais il fait 16 morceaux en plus mais t'as 8 morceaux d'instru. Ouais mais c'est comme un EP dans un album tu vois, tu rajoutes un peu de... Ouais non mais moi par exemple si tu veux j'ai acheté Feu, bah justement pas la réédition. Ouais. Et moi si je veux la réédition je vais devoir repayer 15 balles alors que j'ai déjà la première. Ouais c'est vrai. Mais bon. Je me sens un peu... L'industrie. Ouais c'est ça, non mais après tu peux pas leur reprocher, faut qu'ils fassent son beurre lui aussi. Et ça va, c'est de la bonne musique, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, l'album en lui-même vaut le coup mais après la réédition... Je suis pas d'accord avec toi. Non, il y a des featuring assez lourds, faut donner la force au frère. Non, moi je trouve ça dommage. Mais je vois. Pour le gars, mon ami, je vois plus ton Booba là. Tu l'as redéposé? Non, il est là. On va prendre Booba, mais on va soutenir aussi Nekfeu. Ah. L'album de cette Gecko il est pas mal. J'ai écouté il y a quelques morceaux. Ouais. Ah, donc voilà, Feu réédition, c'est du lourd, faut l'acheter. C'est pas du lourd. C'est du lourd, l'écoutez pas. Chacun son avis, chacun son avis. Il a pas écouté. Voilà.